Thank you.
respecter, de l'encourager, de vivre avec elle avec vérité pendant toute votre vie. Je veux bien. Amen. Promettez-vous de bien veiller sur tous vos enfants, de les apprendre aussi à connaître le Christ. Je veux bien. Voici l'homme de... C'était Nzuzi Moulagi. Vous avez accepté Adam pour mari. Promettez-vous de l'aimer, de le respecter, de l'encourager. Je veux bien. Promettez-vous de vous soumettre à lui et de vivre avec lui dans la vérité. Je veux bien. Amen. Promettez-vous de veiller sur tous vos enfants et à les aider à connaître Christ. Je veux bien. Est-ce que nous pouvons acclamer? Où sont les anneaux? Je vais appeler les pasteurs d'Élise pour pouvoir prier pour les anneaux. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Merci au grand Dieu. Bénis tous les gens qui sont venus pour le supporter en ces circonstances. Permettre au Dieu qu'ils ont des conseils sanitaires à donner à ce groupe en tant qu'convenable. Nous t'en prions ainsi, par le nom de Jésus-Christ, les ressuscités de Golgotha. À lui seul soit la gloire de cet après-midi et au siècle des siècles. Amen. 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 Les mariés vont prendre les alliances. Oh Dieu, que toute ma vie, que la mort nous sépare. Jésus-Christ. Amen. 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 Le jeune qui projette le mariage, de suivre l'exemple, d'arriver jusqu'au bout. Amen. Amen. Et à ceux qui vivent, qui ont commencé à vivre comme ça, qui sont dans la fornication ou qui n'ont pas été jusqu'à la mairie ou à l'église, je vous encourage à régulariser vos situations. Amen. Amen. Hein? Amen. Et même pour les adultes qui projettent le mariage, ça ne veut pas dire parce que vous êtes âgé que vous, tout est permis. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et une femme qui se respecte va attendre à ce que le mari puisse l'honorer. Le mari aussi va honorer sa femme pour se faire respecter aussi. Amen. C'est vraiment pour l'amour de Dieu, pour honorer Dieu, pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Faisons des efforts d'arriver jusqu'au bout. Amen. Nous allons pouvoir recommander ce couple entre les mains de Dieu. Que Dieu bénisse ce couple. Que ce couple puisse
se multiplier, puissent avoir la force d'éduquer leurs enfants, les enfants qu'ils ont, que Dieu puisse les combler encore de sagesse, d'intelligence, d'abondance, qu'il les comble dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Nous allons vraiment les recommander. Ce n'est pas facile comme les serviteurs ont prêché. Vous pouvez essayer de vous, c'est pas grave. Ce n'est pas facile comme les serviteurs ont prêché. Il y a les hauts et les bas dans les mariages qui demandent l'effort, le travail et le temps. Nous allons pouvoir les recommander. Que Dieu manifeste sa grâce dans leur vie. Et nous tous, si nous sommes venus pour les soutenir, afin que ce mariage soit une réussite pour la vie. Nous tous, nous allons prier pour ce mariage et après les serviteurs, nous allons bénir ce mariage. Nous prions pour nos bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur. Seigneur, oh Père, nous venons recommander ces couples encore une fois entre tes mains. Manifeste ta grâce dans leur vie. Oh Père, comble encore, Seigneur notre Dieu, ce couple. Laisse, Seigneur notre Dieu, que tu puisses, Seigneur notre Dieu, oh Père, leur donner l'intelligence, le savoir, le courage, la force, Seigneur notre Dieu, de continuer cette marche, oh Seigneur notre Dieu, qui se sont joués ensemble, Seigneur, mais qu'ils puissent continuer cette marche jusqu'à ta rencontre ou jusqu'à ce que, Seigneur notre Dieu, l'amour le sépare. C'est pour cela, Seigneur, ils se marient pour la vie, Seigneur notre Dieu, pas pour s'arrêter à court de chemin. Manifeste ta grâce dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Les serviteurs vont élever leur voix et vont recommander ce couple entre les mains de Dieu. Nous les unissons encore devant Dieu. Nous scellons ce mariage vraiment entre les mains de Dieu. Que Dieu prenne le contrôle. Soyez bénis. On ne permet à personne. Alléluia. Merci Jésus. Que tout soit pour ta gloire, Jésus. Merci Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. De Jésus. Bénis encore ce couple. Père, que ce couple soit différent, qu'il fasse la différence, qu'il vive ta gloire, qu'il témoigne de ta gloire, que ce soit un couple qui servira de référence, qui servira de témoignage. Ô Père, comble-le par la sagesse, l'intelligence, et comble-le dans tout, toutes les dimensions, dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, qu'ils soient les exemples pour leurs enfants, et pour, Seigneur, les frères et sœurs de l'Église, de la famille et de leur entourage. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous embrasser. Ouh. I'm not afraid.
s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne se parle donc pas, c'est que Dieu a uni. Mais bien aimé, ici c'est Christ qui est en train de parler. Pendant qu'il parle, il va citer un passage biblique du livre de Genèse. Dieu, lorsqu'il va créer l'homme, il va mettre tout à son pouvoir. Mais l'homme a constaté qu'il y avait toujours un vide. Alors la Bible déclare, dans tout ce que Dieu a mis autour de lui, il n'a jamais trouvé son vis-à-vis. Il n'a jamais trouvé son semblable. C'est vrai que Dieu a placé l'homme dans un jardin qu'on appelle jardin d'Éden, qui signifie tout simplement le jardin du bonheur. Alléluia. Amen. Mais curieusement, dans ce jardin où il y avait tout, dans ce jardin où l'homme avait à manger, alléluia. Amen. L'homme n'avait même pas besoin de faire la vaisselle. Parce que pour avoir le temps, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, ah, je suis fatigué de faire la lessive, je dois me marier. Le bien-aimé, il y a de la vie. Alléluia. Donc, tu n'es pas encore prêt au mariage. Oh, je suis fatigué de faire celle la semoule. Il me... Non. On a des kebabs partout. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin d'une femme comme cuisinière. Alléluia. Amen. Mais l'homme cherchait un vis-à-vis. Alléluia. Amen. Un être semblable. Voilà pourquoi Dieu va trouver ses vis-à-vis dans l'homme. Alléluia. Amen. Il n'est pas allé chercher ailleurs. Il a trouvé les vis-à-vis dans l'homme. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a trouvé le bonheur d'Adam dans Dédé. Alléluia. Amen. Le bonheur n'est pas ailleurs. Le bonheur, c'est elle. Puisque tu l'as trouvé, tu as trouvé ton bonheur. Amen. Maintenant, c'est à toi de garder ce bonheur. Voilà pourquoi la Bible déclare, Marie aimée. Alléluia. Amen. Pour garder ce bonheur, il n'y a que trois principes. Le premier principe, Dieu doit être au centre. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le mariage. Non. C'est Dieu qui a inventé le mariage. Amen. C'est lui qui connaît le cœur des Dédés. Alléluia. Amen. Il te donnera des mots. Alléluia. Amen. Il suffira d'un mot pour qu'elle soit abattue. Alléluia. Amen. Je ne dis pas abattue dans le mauvais sens. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu ça? Amen. C'est Dieu qui doit être au centre. Quand Dieu est là, Dieu renouvelle toutes choses. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ses compassions ne sont pas épuisées. Amen. Autant qu'il renouvelle ses bontés chaque matin, il va continuer à renouveler ton amour pour Dédé. Amen. Tu la verras toujours la plus belle. Amen. La plus jolie. Alléluia. Même si elle ronfle, elle sera toujours la plus belle. Amen. Ce ronflement-là seront des cantiques pour toi. Amen. C'est la continuité. Pour la voir, moi je me suis dit que papa Adam, tu es violent. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Parce qu'il ne s'agissait pas où Dieu m'a montré. Alléluia. Parce que cette maman t'aidait, quand tu viens toujours, oh viens, Dieu m'a montré, ça ne va pas passer. Alléluia. Amen. Il y a un frère. Une sœur de l'église l'a vraiment touchée. Il va venir, oh ma sœur, je vis une vision. Dans cette vision-là, je t'ai remetté une fleur. Ça peut signifier quoi? La sœur va venir chez notre pasteur José. Voilà ce que ce frère-là m'a dit. Il va lui dire, même quand on va dans un deuil, nous déposons aussi des chers et des filles. Vous comprenez? Non, tu as eu ta vision, c'est ton problème. Mais il faut parler. Alléluia. Vous comprenez? Dieu même a présenté Ève. Mais Dieu n'a pas courtisé Ève pour Adam. Non. Alléluia. Le grand poète Adam, quand il a vu, voici. J'ai vu des lions, mais non. J'ai vu des chevaux, mais non. Voici. Cette fois-ci. Alléluia. Amen. Donc,
Il n'avait pas encore terminé. Elle me faisait comme ça déjà. La continuité. Parce que nous les hommes, au commencement, on a des belles paroles. Mm-hmm. On a de l'attention. Mm-hmm. Mais après, nous disons que c'est un acquis. C'est ça. Puisqu'elle est déjà à la maison, mm-hmm. c'est fini. Mm-hmm. C'est pas parce qu'elle est ma fille que je veux pas. Non. Moi, je crois que c'est Dieu qui a établi l'homme comme chef. Mm-hmm. Quand un mariage échoue, c'est l'homme. Mm-hmm. Alléluia. Mm-hmm. Ce n'est pas la femme. La femme ne répond qu'à l'amour de l'homme. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors pourquoi nous en venons au troisième principe? Alléluia. Amen. Le principe de l'amour et de la soumission. Nous les hommes, nous aimons toujours la partie soumission. Femme, soyez soumise. Soyez soumise. Soyez soumise. Mais imaginez-vous, dès que vous allez le matin au travail, vous dès vous rentrez fatigué. Moi, quand je rentre, première chose, information. Alléluia. Mais je vais dire, Adèle, c'est pas encore prêt. Elle venait aussi de travailler comme moi. Alléluia. Amen. Si elle dit, je suis fatiguée, femme, soyez soumise. Où est les femmes, soyez soumises là? Où est les femmes, soyez soumises là? Non. Alléluia. Amen. Le principe de l'amour et de la soumission. Ami, Marie aimée, femme, soyez soumise. La soumission là, c'est pas se faire écraser. Parce que Dieu a fait la femme comme ton vis-à-vis. Sinon, si Dieu avait créé un cheval pour toi, ça aurait été mieux peut-être. Mort, tu as trouvé que non, 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 non. Alléluia. Nous aimons notre vis-à-vis. Amen. Donc il faut l'aimer. L'amour supporte tout. L'amour est plus fort que la mort. Alléluia. Alors si l'amour est plus fort que la mort, qu'est-ce qui peut résister à l'amour? Les ingérences des familles? Non. Les lésons dites? Non. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Quand on aime, on pardonne. Amen. Quand on aime, on supporte. Alléluia. Amen. Quand on aime, on rend aussi service. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, les hommes rendent service parce qu'ils attendent au retour quelque chose. C'est Alléluia. Ça. S'ils veulent cette nuit-là avoir quelque chose, très gentil. Des petits cadeaux. Parce qu'on s'attend à être payé. Et si on n'est pas payé, ça devient un problème. Alléluia. Non. Et hey, maman Dédé, la femme sage, bâtit sa maison. Alléluia. Amen. C'est pas l'homme qui bâtit la maison. Moi, j'ai observé chez ces créatures merveilleuses qui sont le coq et la poule. J'ai jamais vu un coq mettre les enfants sous les ailes. Alléluia. Amen. C'est toujours maman. Alléluia. Amen. C'est à toi maintenant d'être l'intercesseuse de ta famille. C'est à toi d'être là pour ton homme. Alléluia. Amen. Il a besoin de ton soutien. Il a besoin de ton appui. Il a besoin aussi de tes encouragements. Alléluia. Amen. Parce que deux fois, les paroles des sœurs nous découragent aussi. Alléluia. Amen. Nous brisent aussi. Mais puisque tu as trouvé le bonheur en Dédé, la Bible. Amen. On était là, cachez moi, je me suis dit, mais comment maman Dédé a dit oui encore? Alléluia. Amen. Moi, je la voyais timide. Alléluia. Il disait, ah, au fond, dans ce moment, il est tout inanté là. Au fond, il a dit que venez à maman. Mais bien aimé, si aussi vous êtes venu ici, c'est parce que vous croyez à la paix de Dieu. L'église, au fait, ne marie pas. L'église bénit le mariage. Voilà pourquoi, même dans la Bible, il y a des gens qui ont couru derrière une bénédiction qu'ils avaient déjà perdue. Esaïe. Il a recherché la bénédiction qu'il avait perdue. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. La bénédiction de l'Éternel nous fait du bien, nous fait avancer. La bénédiction de l'Éternel, c'est une parole qui nous aide à supporter. Nous avons tous bien tous bien compris que les mariages sont dans le tous et l'amour nous gagne. La Bible dit dans le livre 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'en bas. Même que les débuts ont pu parler à la parole des anges. Mais si on n'a pas. Bon, c'est un honneur, Adam, évidemment, quand tu m'as demandé d'apporter une petite méditation. Enfin, tu sais que je ne sais pas faire court.
Je vais essayer de faire court. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous avez vos Bibles, sur le smartphone des fois. J'aimerais partager un texte avec Adam et Dédé, c'est dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, des versets 22 à 23, et pendant que vous cherchez dans vos Bibles Éphésiens 5, je veux juste, en introduction, vous faire part d'une réflexion, c'est que je me suis aperçu qu'on arrive facilement à dire que la nature est belle. J'entends, oh, qu'est-ce que c'est beau ce que Dieu a créé, en contemplant un paysage, un clair de lune. Et honnêtement, j'entends rarement, je ne dis pas que je n'entends pas, mais j'entends rarement, oh, que ce couple est beau. Je ne sais pas si ça vous fait pareil. Et pourtant, quand Dieu a créé le premier couple, bah, il a dit, et voilà, c'est très beau. Alors j'imagine, Adam et Dédé, que vous aimeriez qu'on dise de vous, aujourd'hui bien sûr, évidemment vous êtes les plus beaux, mais qu'on dise de vous dans quelques années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, que vous êtes toujours un beau couple. Oh. Amen. Et même que votre couple devient de plus en plus beau. Amen. Alors, on va lire un texte dans la parole de Dieu, parce que comment devenir ce couple de plus en plus beau, qui rend gloire à Dieu? Dieu a des réponses. Et dans Éphésiens 5, je vais lire à partir du verset 22. Femme, vous me dites si je ne parle pas. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. C'est un texte de l'apôtre Paul. Et c'est un passage qui donne de vous... Thank you.
dans le Seigneur. Amen. Donc demain nous avons culte ici de 10h à 13h. S'il vous plaît, si nous pouvons. Dans quelques jours.
Oh, my God.
Il a fallu d'un petit rien que tout le monde tombe en instant. Donc, vous étiez tous impatients. Et ça, c'est bon. Alors, je ne sais pas, le pasteur Coco. Le pasteur Coco, s'il vous plaît. Thank you.
Yeah.
Yeah.
Voilà, Yeshua.
On ne sait jamais, on prend un peu le caillou qui tue l'oiseau. Ouais. Levez-vous, tout le monde debout. Il dit, envoie le son. Voilà, c'est parti. Ça se passe ici, nulle part ailleurs, DJ Cédric, DJ Mignon. Le 1 des L, qui me choque le bonheur. Ah ah, est-ce que c'est là? Ah ah, soyez prêts. J'espère que vous avez choisi. On va faire le décompte. 5, 6, 1, on va commencer de 5 à 0, d'accord? 5, 4, 3, 2, 1. Hello. On continue, ça se passe ici du pareil. Le grand show ici
Yeah.